Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Disons de moins en moins Diamond Painting par les temps qui courent, mais en tout cas, fait que, je vais vous dire que la piqûre pour le Diamond Painting, pas mal occupée avec le Pointe-Croix. Alors, aujourd'hui, bien, c'est le début de la deuxième semaine, la semaine 2 du Salle Les Petites Croix Givrées. Alors, pour celles qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est, tombent sur cette vidéo-là, bien, je vous invite à aller, vous allez voir en description le lien pour le vidéo du lancement officiel du salle. À ce moment-là, mais si vous regardez ça, vous êtes intéressé, vous avez toujours le temps de vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 septembre. Alors, pour celles qui sont déjà participantes, ben là, je vais vous donner des petites nouvelles déjà, là, un petit peu, qu'est-ce qui se passe. Je suis au-dessus de 80 participantes. Moi, je me pince, j'en reviens pas. Je me disais, ah, si j'ai 25 participantes, ça va être un succès. Mais je veux dire, c'est pas rien qu'un succès. Alors, ça me donne l'ouvrage, mais ça va bien. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça faire ça. Fait que c'est correct. Là. Ça fait que. Disons, il faut que je me tienne à date. Là. Comme je disais à ma mère, je dis faut pas que je laisse empiler les courriels puis parce que sans ça, je vais. Mais vous voyez, je vous réponds assez rapidement quand même. Là. Je vais voir à tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Alors, l'avantage d'avoir une vie, de pas avoir de vie. Non. Je suis bien tranquille. Fait que, je suis pas loin de la retraite, tranquille, pas d'enfant à charge. Ça fait que j'ai le temps pour mes passions. Puis, je suis contente de voir que je suis très contagieuse. Ma passion du point de croix se transmet. Je trouve ça drôle parce que je reçois un courriel d'une Gisèle, elle a le même prénom que ma mère, fait que pour tout, c'est bien facile, qui vient de Rimouski, puis elle dit, j'ai appris par Lynn, une autre Lynn, là, que tu existais. Alors, elle dit, tu m'as redonné la piqûre du point quoi. Je vous dis, je suis vraiment contagieuse. Fait qu'il faut faire attention, là, même à travers YouTube, je réussis à vous contaminer pour le point de croix, c'est pas drôle. Ça fait que. Bon, fait que là, ben, j'ai trouvé ça drôle. Elle dit, j'ai su que tu existais. Puis elle dit, là, tu me redonnes le piqûre de le point de croix parce que t'es inscrite. J'ai trouvé ça bien drôle. Alors, bonjour, Gisèle. Puis là, je trouvais une autre aussi, la mère et la fille, Laurie et Perrine. Alors, la fille en a parlé à sa mère, puis sa mère a décidé de s'inscrire aussi. Fait que je trouve ça vraiment charmant, j'aime ça. Je dis, bon, ben, je fais pas ça pour rien, hein. Ça fait que si je faisais le salle puis j'avais 5 participantes, ça serait plate, hein. Ça fait que, mais là, ben, c'est très actif, ça fait que j'aime ça. Après la première semaine, là, on est rendu vendredi midi, là, je fais mon vidéo tout de suite le vendredi midi parce que je sais jamais, des fois, monter mon vidéo sur YouTube, des fois ça prend du temps. Fait que je veux pas prendre de chance, je veux être sûr qu'ils partent à minuit ce soir. Ben à minuit demain matin, en fait. Alors c'est ça. On a, je pense que j'ai 22 participants qui ont terminé la première case, la première semaine. Bravo. Alors, il y en a quelques-unes qui ont réussi le défi en fin de semaine. Bravo. Je sais qu'il y en a qui ont des défis un petit peu plus corsés. Alors des cases un petit peu plus corsées. Alors, moi, j'ai au-dessus du 2100, je pense, points par case, mais je sais qu'il y en a qui ont 3000 puis même 4000 points par case. Alors, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour vous motiver. Go, 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 go. Alors, c'est ça. Fait que. Alors, c'est les nouvelles que j'ai pour cette semaine. Alors, je vais tourner la caméra. On va sélectionner ensemble, sélectionner, on va tirer la case de la semaine 2.
Alors, je vous rappelle, ben, j'ai déjà dit que les inscriptions, c'est au plus tard le 19 septembre. Pour la case de la semaine 1, qui est la case 3, vous avez jusqu'au 26 septembre pour pouvoir participer au tirage. Je vous rappelle que même si vous êtes hors délai, vous m'envoyez les photos quand même pour qu'elles fassent partie du montage. Vous êtes hors concours, vous m'envoyez les photos quand même. Les photos, c'est toujours à mon adresse courriel. Vous pouvez les mettre sur Facebook, mais moi, je prends les photos pour le tirage, pour le montage, qui me sont envoyées à mon adresse courriel seulement. Alors, pour la case de la semaine 2, ça veut dire que vous allez avoir jusqu'au temps des 26 septembre, la semaine après, ben, 26 plus 7, ça fait 33, le 3 octobre. Alors, jusqu'au 3 octobre pour terminer la case de cette semaine-ci, qui est la semaine 2. Alors, je vous tourne la caméra tout de suite, puis on regarde, on fait le tirage ensemble de la case de la semaine 2. Alors, je suis avec mon application high-tech pour faire la sélection de la case à faire. Alors, vous voyez que la case 3, elle est en noir. Alors, je ne peux pas la sélectionner de nouveau. Alors, on y va pour voir qu'est-ce que ça va être pour la semaine 2. Ben, la semaine 2, ça va être la case 2. Alors, pour la semaine 2, vous voyez, c'est la case 2. Alors, je vous dis à vos aiguilles, c'est la case 2 pour la semaine 2. Facile à se rappeler. OK? Alors, mercredi, vous allez voir le montage des nouveaux projets, des réponses aux inscriptions que j'ai reçues depuis lundi dernier et le montage des photos que je vais avoir reçues pour la case 3. Alors, semaine 2, case 2, à vos aiguilles, partez! Bye! Ah, si vous n'êtes pas abonné, faites-les, puis vos commentaires, vous savez, la routine habituelle, OK? Je vous embrasse, bye!